Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de map sur FS19. Et du coup, nous revoici cette fois-ci sur la map Walken. Mais cette fois-ci, elle est terminée. Alors, du coup, pourquoi je dis cette fois-ci elle est terminée pour ceux qui ne l'auraient pas connue avant? Il s'agit de la map d'une agriculture réaliste saison 2. Et du coup, quand on y a joué à l'époque, elle était en bêta. Et donc, cette fois-ci, elle est terminée. Elle vient d'arriver sur le mode up. Et donc, du coup, elle est que pour PC. Alors, pour ceux qui aiment les maps pentu, pour ceux qui aiment bien faire les foins, pour ceux qui aiment bien faire de l'ensilage d'herbe, c'est une map que je peux vous conseiller. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où c'est extrêmement pentu. Sur le bas, vous avez un peu plus de plat, effectivement. Alors, du coup, ils ont représenté ça. Donc, c'est en Autriche, apparemment. Et donc, du coup, bon, bah, le bas, on va dire que c'est où il y a le moins de montagnes. Et plus vous montez dans la map, côté gauche et côté gauche au-dessus de la map, et plus ce sera pentu. Et donc, du coup, c'est ça qu'on avait apprécié à l'époque. C'est le fait que bah, ce soit pas tout plat. Et donc, du coup, alors apparemment, ce que j'ai cru comprendre, ils ont rajouté des fermes. Donc, à l'époque, si je dis pas de sottises, il y avait déjà celle-ci. Celle-ci, je crois. Celle-ci, je ne m'en rappelle pas du tout. Celle-ci devait y être. Celle-ci, c'est sûr. Celle-ci, c'était des cochons à l'époque, je crois. Et puis, je suis pas sûr encore. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait, c'est la papy qui était là. Et donc, du coup, la Reita à Chris et Maki qui étaient ici. Celle-ci, j'ai pas souvenir non plus. Donc, il y a 10 fermes en tout. Il y a 10 fermes. Ils ont rajouté des champs. Ça, à l'époque, je crois que ça y était pas non plus, tout ça, là. Tout cet emplacement-là. Quand elle n'était pas terminée, il n'y avait pas ça non plus. Il n'y avait pas ça non plus. Et je crois que c'est tout. Je me rappelle plus. Je sais plus s'il y avait ça. Il me semble pas. Mais en tout cas, elle a été encore agrandie. Et déjà qu'elle était déjà grosse, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, le garage. Alors, effectivement, quand on commence, j'ai commencé en facile. Donc, du coup, on commence avec la ferme à Seb, qui était celle-ci. On commence avec le champ 50, le champ 39, le champ 34 et le carré de bois qui est ici. Pour ceux qui ont envie de faire du bois, tout simplement. Donc, du coup, en termes de matériel, on a dans le garage 1, 2, 3 tagazou, un télescope, la voiture, une benne, culti, air rotatif, semoir, épandeur, tonne, etc., etc. Donc des faucheuses, du bordel. On a quand même pas mal de choses en commençant. On a pas mal de choses. Du coup, alors ici, je vais essayer de faire un comparatif avec ce que je me rappelle. Je me souviens pas de tout, mais je vais essayer. Je me rappelle pas qu'il y avait ce bâtiment-là qui était présent dans la ferme à Seb. Nous, on avait placé un silo à grains. Ensuite, de ce côté-là, on avait ce bâtiment-là déjà, mais pas tourné comme ça. Il était tourné dans l'autre sens. Et donc, du coup, ici, on pouvait mettre des bobottes. Et c'est ce qu'on avait fait à l'époque. De ce côté-là, on a les poupoules. Du coup, je suis en train de penser à un truc. Est-ce que ça a changé le fait qu'on puisse acheter les animaux? Bon, là, la ferme est à nous, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, parce que je vous explique auparavant. En gros, fallait acheter la ferme Zweger avec une ferme que vous créez, tout simplement. Et ensuite, il fallait acheter tous les animaux avec cette ferme-là. Et alors maintenant, je ne sais pas si c'est comme ça, je pense que ça a dû changer parce qu'autrement, ce serait un peu le bordel, mais à l'époque, c'est vrai que c'était un petit peu chiant. Donc les poules ici, les poules ici, les poules ici, l'auge à bouffe ici, ok, bon, voilà, c'est leur petit parc, qui est pas vilain d'ailleurs, ça on n'avait pas non plus à l'époque. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a, qu'est-ce que c'est cette chiasserie? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose là-dedans? On peut rien mettre du tout, et j'ai que chipot de banane, et quand on regarde ici, j'ai rien non plus. Donc je sais pas si on peut mettre quelque chose là-dedans, si c'est de la décoration. Il faut voir. De ce côté-là, on a toujours le bâtiment des vaches, qui n'a pas changé, lui. La fosse alizée ici. La fumière, je me rappelle plus où elle est là, la fumière, voilà. La fumière. Et du coup, de ce côté-là, on avait pour faire le silo d'ensilage. Donc c'est un silo taupe, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chose. Tout simplement, je vais aller vous montrer quand même l'intérieur du bâtiment pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Jamais vu, jamais vu. Ici, on a le couloir d'alimentation à l'époque pour récupérer tout ce qui était. Vous savez, quand les animaux ils salissent, pour récupérer au godet tous les trucs d'ensilage qui repartaient, on pouvait pas, fallait prendre le balai magique. Mais même le bâtiment a changé, il y a moins de. Il y a moins de. Merde, comment s'appellent ces trucs-là? Il y a moins de ça qu'on avait avant. Avant, il y avait toute la lignée là aussi. C'est vrai que c'était un peu le bordel. L'auge à flotte a l'air d'être là maintenant. Alors qu'auparavant, elle était en bas. Donc, du coup, vous avez une première partie de bâtiment ici, tout simplement. Et vous avez le chemin qu'elle puisse accéder ici. Hop, et ça nous amène
Ah, ce bâtiment-là. Et l'auge à flotte est ici. Je me suis pas trompé. Enfin, si, je me suis trompé, mais elle n'a pas changé de place. Là, on a toujours ça. On a un petit appentis ici qui a changé d'ailleurs. Auparavant, c'était tout petit. On avait une raponce avec des tôles jusque-là. Donc, du coup, on pouvait mettre du matériel à l'abri ici. Ensuite, je me rappelle pas qu'elles avaient le carré de près là derrière. Ici, je me souviens pas. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, c'est pas plus mal. Bon, là, vous avez le gros terrain qui va avec, le gros terrain en herbe. Et du coup, voilà, avec les télésièges, etc., etc. Donc voilà pour la ferme que vous avez au début. Donc c'était une ferme laitière, hein, tout simplement. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu le tour de toutes les fermes, si on peut. Je vais aller vous montrer la ferme à papy qui a changé également. Du coup, alors la route, où c'est qu'elle est, Roger, la route? Elle est ici. Elle est ici, elle est ici. Je me rappelle pas qu'il y avait des drapeaux à cet endroit-là. Il me semble pas. Donc du coup la ferme, l'ancienne ferme à papy, j'ai envie de dire, le bâtiment des vaches laitières n'a pas changé. C'est toujours celui-ci. Alors l'auge à flotte ici, hop, couloir d'alimentation là. Il a reproduit à peu près le même que l'autre, sauf qu'il est plus petit. Ok, de ce côté-là. Donc là c'est trigger pour acheter les animaux. Là on peut pas, on n'a pas la ferme et c'est trop cher pour que je l'achète. Donc rip la saucisse. De ce côté-là on a la fosse à lisier, qui elle n'a pas changé de place. Voilà. Ici, qu'est-ce qui a changé? Donc là, ça a bien changé, effectivement, puisqu'à l'époque, on avait le silo d'ensilage qui était ici. Et donc, du coup, ça a changé, puisque le silo d'ensilage, les silos, maintenant, ils se trouvent ici. De ce côté-là, on a la fumière. Et ici, je me rappelle plus qu'on avait le bâtiment. Je crois qu'on n'avait pas ce bâtiment-là. Ou alors, il était différent. Il était différent. Et du coup, de ce côté-là, on a encore du stockage. Alors, j'ai vu tout de suite également qu'on avait une partie stockage ici, en couloir. Donc c'est pas trop mal. C'est pas plus mal d'ailleurs comme ça. Ça remplit un peu la place. Et du coup les silos d'ensilage, je pense qu'ils sont mieux ici. D'autant plus qu'il y avait des petits soucis de trigger avec. Le champ qui était là n'a pas bougé. C'est toujours le même. Peut-être plus petit qu'avant. Je me rappelle plus vraiment. Et du coup voilà. Donc là il y a la fameuse réponse de map qu'on n'avait pas avant ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc le magasin on ira plus tard. On va aller à la Zweiger justement. Hop. Alors la Zweiger, je ne me rappelle plus la gueule qu'elle avait. Je crois que la route arrivait comme ça. Effectivement, ça a changé aussi. Hein. C'était pas comme ça. La route arrivait comme ça. On avait déjà ce parc-là. Ok. Ici, c'était pas pareil. On n'avait pas ce petit chemin ici. Donc là, c'est pas plus mal comme ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc un endroit pour ranger du matériel. De ce côté-là, c'est pareil. On n'avait pas ce bâtiment-là, je crois. D'ailleurs, on n'avait pas ce bâtiment-là, pareil, donc là tu peux stocker du bordel, la maison d'habitation, etc., etc. Là, une nouvelle fois, ah, c'est un atelier qui est fonctionnel, très joli, j'aime ce. De ce côté-là, on a le bâtiment. Ah, raté, c'est encore un endroit pour stocker, pardon. Du coup, où est l'entrée pour les vaches? À l'époque, je crois qu'elle ne pouvait pas rentrer dans le bâtiment, il me semble. Je ne sais déjà plus si c'était des vaches ou pas. L'auge à flotte est ici, la fumière ici, donc ça a changé aussi. Là, elles peuvent rentrer cette fois-ci. Elles peuvent rentrer, elles peuvent rentrer. Comment ça se passe? Ah, je peux toujours pas les acheter, en plus, c'est le bordel ça. Ici, on a du stockage, on a la grange. Et donc, du coup, de ce côté-là, on ressort. Donc là, c'est le lait. Alors, je ne sais pas où est le trigger d'achat. Du coup, je peux pas acheter la ferme, c'est con ça. Ici, on a la fosse à lisier. Et de ce côté-là, on n'avait pas ce bâtiment-là non plus. Mais là, c'est des silos. C'est des silos, c'est des silos. Eh ben, elles ont changé un petit peu, les fermes, jusqu'à présent. Et c'est pas plus mal. Je trouve ça plus joli comme ça. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. On va aller au Hunter Burger. Qui, je dis pas de conneries, était la seconde partie de ferme à papy. Et là, il y avait des moutons, je crois. Et ça a bien changé également. Puisqu'il n'y a plus de moutons. Et même sans ça, tous les bâtiments ont changé. Ouais, ils ont refait la ferme à neuf. Tous les bâtiments ont changé. Donc, fosse à lisier, fumière. Certainement, trigger d'achat ici. Ensuite, le couloir d'alimentation. Bon, toujours le bâtiment qui. Alors, non, c'est pas le même. Je vais dire une connerie. C'est pas le même. Pardon, my bad. Les logettes, voilà. Je cherche le nom depuis tout à l'heure. C'est les logettes. Du coup, elles ont un petit parc derrière. Alors, pas gros, hein. Pas gros, pas gros, mais ça peut suffire. L'auge à flotte, je suppose que c'est la baignoire qui est ici. Je cherchais, mais elle est là. Et du coup, l'auge à bouffe, bon, bah, c'est dans le bâtiment, vous l'aurez compris.
tout simplement. Ok, donc voilà pour le bâtiment ici. Ensuite, on ressort. On va pouvoir tourner là autour et avoir du stockage à cet endroit-là. Il y a même du stockage plus loin aussi, ça c'est terrible. Alors, bâtiment de stockage ici. Voilà, de ce côté-là, j'ai pas fait attention, mais on doit en avoir encore un. Et encore un plus loin. Ou la porte. Voilà, ok. Et donc du coup ici, ça doit être une grange, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est une grange avec un atelier qui est fonctionnel. Par contre, on voit pas le trigger, donc je suppose que le trigger, tu le poses là au milieu, ça doit être ça. Comme un con, j'ai pas pensé à réactiver la console sur ce PC-là. Effectivement, sur l'autre, je l'ai pas sur celui-là. Faudra que je réactive tout ça. Je voudrais aller voir là-bas parce que apparemment, il y a encore deux bâtiments que j'ai vus au loin. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà deux, trois bâtiments qui se promenaient comme ci, comme ça au milieu de la map. Mais là, ils en ont rajouté. Là, il y en a un ici. Et il y a bah, les deux silos d'ensilage. Ok, donc les deux silos d'ensilage sont ici. À peine plus loin que la ferme, mais c'est pas gênant, hein, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est pareil, je crois qu'à l'époque, on n'avait pas non plus à s'arrêter ici. Et tout ça, on n'avait pas. Tout ça, on ne l'avait pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Beaucoup d'herbe, hein. Vous l'aurez remarqué, pour ceux qui n'aiment pas faire du foin, eh bien, vous allez pas être très convaincu pour la map. Mais sinon, pour les autres, vous devriez être content. Ensuite, on va aller au Strielinger. Strielinger, pardon. Moi, j'arrive. Je suis perdu avec mes mots. Ah non, ça, c'est l'ancienne ferme à papy. Pardon, my bad. J'ai rien dit. Donc, l'autre ferme, elle n'y était pas. Elle fait partie de la réponse de la map. Donc, ça, c'est l'ancienne ferme à papy où il y avait des moutons. Effectivement, il y a toujours les moutons. L'auge à bouffe n'a pas bougé. On avait des petits soucis pour la bouffe à l'époque déjà. J'espère que ça a été réglé. Et l'auge à flotte était par là. Et apparemment, elle a changé de place. Elle est plus... Ou alors, c'est la tonne, peut-être. C'est peut-être la tonne. Faut vérifier. Faut vérifier, faut vérifier. Alors, on va finir de faire le tour parce que là, ils n'ont pas de bâtiment pour se mettre à l'abri. Et apparemment, c'est toujours pas le cas. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage, c'est dommage. Donc, l'auge à flotte doit être tout simplement la tonne. Le trigger d'achat, il est ici. Voilà, quand vous aurez la ferme, sachez que c'est ici. Ensuite, donc là, il y avait la grange à l'époque et elle n'a pas changé. Ici, il y a de la déco, du coup, puisque les moutons ne peuvent pas rentrer dedans. Ok. Ça n'a pas changé. La laine arrivait, je ne sais plus où. Ici, au fond, je crois. À l'époque, la laine, elle arrivait ici. Maintenant, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de trigger. Donc faut tester. Et du coup ce bâtiment-là il était déjà. Donc celle-ci n'a pas changé. C'est dommage, les moutons peuvent pas se mettre à l'abri. C'est dommage, c'est dommage. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Ah ça, je m'en rappelle pas par contre. Je ne me rappelle pas de ça. Et ben voilà, bah du coup, avec ces deux emplacements-là, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je me demande si ce serait pas là que les palettes de laine spawneraient. Faut tester pour le savoir. Malheureusement, je ne peux pas vous le dire parce que j'en sais strictement rien. Mais voilà. On va aller au Rittner qui était la seconde ferme à Mackay et Chris à l'époque. Le chemin était déjà là, ça n'a pas changé. Le bâtiment n'a pas changé non plus. L'auge à bouffe ici. Ça, je me rappelle plus. L'auge à flotte. Le trigger d'achat. Un petit appentis ici pour ranger son bordel. La fumière et faux salissier, c'était déjà ça à l'époque. Et du coup, ce bâtiment-là, qui n'a pas dû changer non plus. Donc ça n'a pas bougé. C'est toujours pareil. Donc voilà pour la ferme à Gruy. Ensuite, on va monter au Sonnenhof. Je me rappelle plus qu'il y avait une ferme à bourricots ici. Donc le chemin, où est-il? Parce que je veux arriver depuis le chemin qui est ici. Donc du coup. Putain, je me rappelle plus s'il y avait ça avant. C'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Donc ça doit être le trigger d'achat. L'auge à bouffe, l'auge à flotte doit être là-haut dans la marmite, j'allais dire. Dans la baignoire qui est ici. Ça doit être ça certainement. Je pense. Et du coup, de ce côté-là, ils ont un tout petit endroit pour se mettre à l'abri. Comme ceci. Ah bah l'auge à flotte, elle est là, pardon. Vous voyez, je dis des conneries, hein. Mais bon, moi je vérifie avant de préciser la chose. Un appentis pour stocker du bordel. Ici, c'est pareil. Et apparemment, ce serait tout. Encore un petit ici. Et ce serait tout. Donc ça fait plus office de ferme annexe. Des petites fermes comme ça. Vous voyez, comme la ferme d'un mouton qu'on allait voir tout de suite. Plus celle-ci avec les chevaux. Je pense que ça fait un peu plus comme. On va dire ferme annexe, mais pas un. C'est pas un gros corps de ferme, si vous voyez ce que je veux dire par là. Ensuite, on va aller au Reita, qui était la ferme à Mackay et Chris, donc la vraie ferme pour le coup. L'entrée, il y avait deux entrées, je crois. Soit tu rentrais par là.
Ah, mais il n'y a plus le chemin. Bon, alors, j'ai rien dit. Donc, ça, c'est qu'est-ce que c'est? C'était là, la fosse Alizia, à l'époque? Je m'en rappelle plus. Oui, peut-être bien. Oja flotte. Trigger d'achat. Le bâtiment des vachetières. Avec les logettes. L'oja bouffe, ici. Et c'est tout. Donc, ça n'a pas trop changé. Il y a moins de pente qu'avant, je crois. De ce côté-là, on avait la fumière. C'est exact. Qui n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est le bâtiment qui était ici. À l'époque, il y avait un bâtiment où tu faisais le tour par là. Il y avait un petit chemin là, qui est toujours là. Et tu montais là. Et en fait, ici, tu avais un tout petit emplacement pour entrer avec une chargeuse compacte pour pouvoir empiler des bottes dessous. Et là, il n'y est plus aujourd'hui. Donc maintenant, c'est un appentis. C'est un appentis. Alors, je peux pas avancer, Roger. Et là, tu as le silo d'ensilage. Voilà, tout simplement. À l'époque, il n'y avait pas de silo d'ensilage. Ce bâtiment-là n'a pas dû changer. Effectivement, c'est toujours le même. Bâtiment de stockage, donc. Et donc, du coup, ici, on avait une grange au-dessus. Si j'ai pas de conneries, voilà. Et du coup, atelier fonctionnel qui n'y était pas à l'époque. Et en bas, on avait deux emplacements pour ranger des tagazous. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Ok. Et donc, du coup, le chemin pour redescendre de la ferme ici. Ah, mais ils en ont placé un, tiens. Ils en ont placé un, parce que je crois qu'à l'époque, c'est nous qui l'avons placé, ou je sais plus. C'était plus loin que ça, hein, qu'on avait mis ça. Et je crois que c'était un silotope, donc non, c'était pas nous qui l'avions placé. C'était un silotope, et là, il a rajouté un silo couloir pour l'ensilage. Ok, bah c'est pas mal. Si pas mal, si pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a les trois dernières fermes. Alors celle-ci, je me rappelle pas quelle y était non plus. Le chemin d'accès, c'est pas là, je sais pas où il est, le chemin d'accès, enfin bref, on verra après. La fosse Alizier, de ce côté-là, la grange, vous voyez, hein, on met ça là et puis on récupère ça ici. La fumière, ici, bah, les vaches, du coup, c'est les vaches, hein. Les vaches, voilà. Pas de champ, apparemment, non, enfermé là-dedans, ok. Enfermé, enfermé. Alors le trigger d'achat doit être par là. Pareil, trigger à bouffe, à paille, etc., etc. Ça doit être ici. C'est pas facile à voir, puisque j'ai pas la console. Donc là, le tank. Là au-dessus, on a un grenier. Si tu veux mettre tes bobottes. Et donc du coup, un bâtiment de stockage ici. Et la grange, certainement, ici, avec l'atelier, encore une fois. Ok, alors là, si, on a un parc. Alors, attendez, je vais faire le tour, bordel de bitacu. On a un parc, mais celui-là il sert à rien de parc. Il n'y a pas d'eau à bouffe ni quoi que ce soit. Il y a juste une tonne à flotte qui est ici. C'est dommage que je peux pas l'acheter. Hein. Putain, puis c'est gros, en plus je peux pas l'acheter. Merde, j'aurais voulu faire le test, mais du coup je peux pas. Parce que si toutefois il y a le bâtiment là, les vaches spawn là-bas. Ouais. Faut tester, faut tester, faut tester. Ensuite, on va se rendre à la ferme à moutons qui est ici. Alors la ferme à moutons, comment ça se passe, Roger? La ferme à moutons, il n'y a pas grand-chose apparemment. Un appentis. Oja flotte, trigger d'achat. Et oja bouffe, je ne sais pas où elle est. C'est pareil, c'est une ferme annexe, hein. Vous voyez bien que le parc est tout petit. Et que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Et donc du coup, on a un bâtiment de stockage ici. Et c'est tout. Donc ouais, ça fait office de ferme annexe, quoi. Bâtiment de stockage ici. Voilà. Pour la petite ferme à moutons qui est ici. Et du coup, on va terminer avec ma ferme à moi, à l'époque. La Alter Karlinger. Donc normalement, ça n'a pas dû trop changer, si je dis pas de conneries. Le chemin pour foutre le camp. On entre ici. Normalement, c'est exact. Donc là, on a toujours la grange là au-dessus. Normalement, à l'époque, je sais pas si on pouvait rentrer ici, je me rappelle plus. Là, on a une auge à bouffe. J'ai regardé avant la vidéo parce que je suis quand même venu voir si mon ancienne ferme avait changé. Il y a une auge à bouffe, je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Là, je vois qu'il y a un parc à poules, donc je suppose que c'est pour les poupoules. Le trigger d'achat, faut chercher, effectivement, puisque j'ai pas la console d'activer. Ici, on a toujours le même bâtiment. Par contre, on n'avait pas d'atelier fonctionnel à l'époque. Ensuite, ici, il y a le fameux endroit où je stockais mes palettes de semences par le trou ici. Donc du coup, le mieux serait de pouvoir amener une chargeuse compacte à cet endroit-là. Le truc, c'est qu'il faut pouvoir l'amener là. C'est pas facile. Ensuite, la fosse Alizée n'a pas bougé. Mon petit panneau Walken 19 qui est ici. Ça, c'est toujours le même bâtiment de stockage, effectivement. Il y a toujours le recoin là. Le bâtiment à vache n'a pas changé. Trigger de lait ici. Oja bouffe ici. Le trigger d'achat est à cet endroit-là.
Elle est le trigger de flotte, enfin le louge à flotte est ici. Toujours le même petit parc. Ça aurait été cool qu'il puisse l'agrandir, ça aurait été sympa, mais bon, c'est comme ça. Et la fumière est ici. Et donc, normalement, le silo d'ensilage, s'il n'a pas bougé, il est là-bas derrière. Par contre, on a une grange maintenant. À l'époque, on ne l'avait pas. Donc là, on récupère ici et on met ici. Ça, on ne l'avait pas à l'époque. Et donc, du coup, voilà, le silo d'ensilage taupe qui est ici. Donc, elle n'a pas trop changé. Elle n'a pas trop changé, elle n'a pas trop changé. On va se rendre au magasin. Le magasin qui, lui, est au même emplacement, mais par contre, c'est pas le même bâtiment. Puisque à l'époque, on pouvait pas ouvrir les portes, maintenant, on peut. Trigger de config à cet endroit-là, avec le petit atelier, etc., etc. Là, maintenant, on peut rentrer dans le magasin. Je crois qu'à l'époque, on pouvait pas. Et donc, du coup, le trigger d'achat, je ne sais pas où il est. Alors, attendez, on peut ouvrir là aussi. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le dehors. Et on peut même rouvrir ici. Putain, ça a changé, hein. Le bâtiment a totalement changé. Par contre, le trigger d'achat, je sais pas où il est. Et du coup, un appentis ici. Trigger d'achat doit être là-dedans, je pense. Mais en tout cas, le bâtiment est mieux, je trouve. Le bâtiment est mieux. Bon, on a nos petits drapeaux, ça c'est cool. Il y a des horaires d'ouverture, mais il n'y a plus de barrière. Je crois qu'à l'époque, il y en avait une. Mais c'est souvent qu'on se foutait la gueule dedans. Ok, donc voilà pour le magasin. Le négociant bétail qui est à cet endroit-là. Je me rappelle plus comment il était avant. Mais ça doit être le bâtiment d'origine. Je sais plus comment c'était à l'époque. Je me rappelle plus du tout. Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, c'est un bâtiment tout simple. Vous ressortez par là. Ou par là. Ou encore par l'autre côté. Mais je crois qu'il. Non, il était pas avant. C'était pas l'endroit où on vendait les bobottes avant. Il fallait qu'on rentre dans le bâtiment pour vendre les bottes. Et c'était vraiment le bordel. C'était vraiment le bordel, il me semble. Et donc du coup, ah maintenant c'est là. Ok, donc ici on vend les bottes. Ok, eh ben c'était pas comme ça du tout avant. Mais ben, c'est pas plus mal, c'était vraiment le bordel pour aller vendre les bottes. Du coup, en termes de points de vente, qu'est-ce qu'on a? On a trois différents pour ce qui est céréales, patates, betteraves. Un pour les œufs, un pour la laine, deux pour le lait. Un pour les copeaux. Bon, celui-là pour les bottes. Et c'est tout. Ok. Donc voilà pour ça. Ensuite. Eh bien, on va se rendre au point de vente justement. Alors celui-ci n'y était pas, puisque c'est une réponse de map. On va aller voir le téléstation qui est apparemment pour le lait. Téléstation. Télétubbies. Alors, œuf, lait, Hélène. Ok. Donc ça doit être par ici. Pareil, il n'y a pas de trigger, donc faut se démerder et chercher. Et je peux même pas vous montrer parce que j'ai pas la console d'activer. Ça casse et puis il faut que je la remette vite. Ensuite, donc ça on vient d'y aller, c'est pour les bobottes. Ici, on a le AMC qui a changé aussi, qui n'était pas comme ça avant. Je me rappelle d'un bâtiment ici, mais il n'était pas comme ça. Ok, donc ça c'est point de vente céréales. Tout simplement, des petits panneaux. Oh, c'est sympa ça. C'est sympa. Ensuite, le BGA. Le BGA, je ne me rappelle plus. Hein. L'endroit pour mettre le. L'ensilage fermenté, pardon, je cherchais l'endroit pour récupérer les déchets. Le silo, qui est un peu bizarre, mais pourquoi pas, ça change. Et un bâtiment de stockage, je me rappelle pas qu'il y avait ça avant. Je ne me rappelais plus. Le Lagueros qui est toujours là. Est-ce qu'il est pareil? Je ne sais plus. Il me semble que oui, sauf que là, il n'y avait pas de barrière. Donc du coup, point de vente de céréales. Il y a même des petits drapeaux, ça c'est bien cool. C'est bien cool, c'est bien cool. Ok. Alors de ce côté-là, je me rappelle plus non plus. Alors il y a un truc qui vous informe à cet endroit-là. Donc là, c'est pareil, tu cherches. Et il faut se taper dessus. Ou alors tu peux ouvrir la porte, mais je crois pas. Ok. Donc là, il y a un point d'information en anglais et en allemand. Il faut rentrer dedans parce que vous êtes enfermé là au milieu. Vous êtes enfermé là au milieu, aucun moyen de sortir. Donc en gros, il vous explique pas mal de bordel, je crois. Ah, mais c'est tous les triggers. Non, c'est pas tous les triggers. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Mais en tout cas, c'est pas écrit en français et je ne suis nul en langue étrangère. Donc, vous vous débrouillerez. Je ne peux pas vous dire. On va aller au Sabo Salzburg, qui, je ne sais plus s'il est à l'époque ou pas. En tout cas, point de vente de céréales ici. Petit bâtiment bien sympa, pas trop de déco par contre, malheureusement. Et la Syrie y était déjà à cette époque-là, à cet endroit-là. Je m'en rappelle puisque je me suis vautré à 15 mètres de la Syrie. Mais je me rappelle plus si elle était comme ça.
Il y a un bâtiment de stockage. L'endroit où tu mets ton bois entier, eh ben, je sais pas où c'est. Les copeaux, c'est ici. Par contre, l'endroit où tu mets ton bois entier, je sais plus où il est. Je ne sais point. Ah bah ben, il est là. Voilà, il est là tout simplement. Par contre, le trigger, tu cherches encore une fois parce que je sais pas où il est. Malheureusement, ça doit être par là, hein, certainement que... ça doit être autour de l'icône parce qu'autrement, il l'aurait pas placé là. Le chemin est toujours là pour atteindre l'herbe et... Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on a fait le tour. Alors en ce qui concerne la réponse de champ, enfin la réponse de map, pardon, ici c'est un gros pré, tout simplement. Ici, en gros, quand vous voulez acheter, vous achetez tout carré, comme à l'époque, sauf que là, il n'était pas numéroté. Je crois que celui-ci n'était pas numéroté non plus. Celui-là, il était déjà pas. Et là, ils ont rajouté plein d'herbes, plein de bordel. Même des champs, à l'époque, qui n'étaient pas non plus. Et du coup, toute la réponse de champ ici. Je crois qu'on a fait globalement le tour. On est à 25 minutes de vidéo, donc on va couper ici pour aujourd'hui. Si vous aimez les maps pentues, je vous la conseille fortement. Il y a des endroits qui sont plats, effectivement, mais il y a des endroits qui sont très pentus pour faire vos champs, comme ici. Et ça, je me rappelle bien, c'était à ma ferme. Je vais aller vous montrer avant de couper. Où là, tu commences sur à peu près du plat à cet endroit-là. Et ensuite, ça devient terrible pour faire ton herbe. Mais c'était ça qui était bien à l'époque. Alors, ils ont supprimé la barrière qui était là. Et bien, ça, c'est pas plus mal. Et donc, du coup, voilà, tu t'aperçois que c'est quand même pas mal pentu à cet endroit-là. Et d'ailleurs, je vois que l'herbe n'a même pas poussé ici. Donc, je sais même pas si c'est faisable de le faire. Récolté. Ok, donc ça a été récolté. Ça devrait pousser. Donc, quand tu tapes un truc comme ça à presser, je peux vous garantir que c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Du coup, on se laisse là pour aujourd'hui. Je suis assez content qu'elle sorte sur le mode up finalement. Je pensais pas que ça arriverait. Putain, c'est encore plus pentu qu'avant ici. Et du coup, j'espère que la présentation vous aura plu. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous retrouve ce soir pour la foire à la saucisse. Ciao!